Bonjour Aldaïra, bonjour Romy. Que la paix de Véga soit sur vous. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous d'holocommunication empathique. Nous sommes toujours heureux de partager ce moment avec vous. Il y a quelques jours, une dizaine de volcans se sont réveillés dans la ceinture de feu. Je pense que la planète Gaïa commence à diminuer la pression dans sa structure interne en vue de continuer sa transition vers une densité de conscience supérieure. Oui, en effet, cette explication est plus que probable. La montée de la pression psychique de l'ensemble de l'humanité, face à votre crise sanitaire actuelle, doit s'équilibrer par un relâchement, comment pourrait-on dire, de la pression intérieure magnétique de la planète. C'est un équilibre qui doit se maintenir. En quelque sorte, un feu physique pour compenser un feu psychique, chaotique, qui est alimenté par trop de peur, panique. Oui, la comparaison est relativement correcte. L'équilibre psychique collectif mondial sera maintenu par des réajustements géophysiques ou cosmiques jusqu'à l'avènement final. Donc, il est à anticiper d'autres réajustements si la masse psychique collective humaine continue à amplifier un chaos réactionnel face à cette situation? Oui, la nature des réajustements sera définie par la réponse la plus juste au chaos psychique établi. Mais il n'y a nulle inquiétude à avoir. C'est par ces réajustements naturels que sera maintenu l'équilibre nécessaire pour atteindre la période de l'événement transitionnel. Merci Romy, merci Aldaïra pour votre aide à cette mission. Que la paix de Véga soit avec vous. Bonjour Aldaïra et bonjour Romy. Que la paix de Véga soit sur vous. Je viens de créer un groupe Facebook privé qui s'appelle Amitiés Humano-Stellaires, semences d'évolution, avec pour objectif de former des opérateurs pour œuvrer en qualité critique à des opérations de convergence harmonique collective sur des hauts lieux sacrés de puissance. Aldaïra et moi-même avons suivi la conception de ce projet et nous sommes en total accord avec cette méthodologie. Êtes-vous alors prêt à soutenir les actions menées sur le terrain? Nous serons présents, comme nous l'avons déjà annoncé ultérieurement, pour soutenir toutes les initiatives pures et efficaces que vous proposez pour accompagner l'humanité vers sa meilleure destinée. Merci pour votre soutien. Ce soutien pourrait déboucher à terme à des contacts holographiques intégrants pour ceux d'entre vous qui seront évalués comme prêts à nous rencontrer et à accomplir leur mission d'âme avec le plus d'efficacité possible. Avez-vous des suggestions pour améliorer ce plan d'action? Nous sommes des envoyés de Véga et nous attendons de vous rencontrer sur ce projet. Pour développer un approfondissement toujours possible pour des résultats tangibles. Merci pour votre précieuse collaboration. Que la paix de Véga vous accompagne.